إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On va continuer, inshallah ta'ala, le début du livre qu'on avait entamé, inshallah ta'ala, Al-Wajibat, Al-Mutahattimat, Al-Ma'rifa, ala kulli muslimin wa muslima, wa majmou'uhu li Shaykh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a, wa li dhurriyatihi kadhalika rahmatullahi ta'ala, alayhim rahmatan wasi'a. المؤلف رحمه الله تعالى: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. الإمام رحمه الله il avait commencé cette introduction, ou bien c'est ce que les savants ils appellent cela en arabe الترجمة. الترجمة c'est le titre du thème. Le savant, il l'appelle At-Tarjama, comme il est dans les livres des Sunan, chez le Bukhari, ou bien Muslim, ou bien Abu Daoud, ou bien Tirmidhi, ou bien Nasa'i, ou bien Ibn Majah. Les livres qui sont classés sous forme de chapitres, chaque chapitre, il est intitulé par un titre. Ce titre-là, il s'appelle chez les savants At-Tarjama. Le fiqh, généralement, de l'imam, il est englobé dans comment il forme le titre. Comment il forme le titre, ceci englobe la connaissance de cet imam dans les hadiths qui vont suivre. Il va résumer le tout en faisant un titre sur tous les hadiths qu'il va citer. C'est pour cela les ulama ils disent fiqh al-Bukhari fi tarjimihi. Le fiqh de l'imam al-Bukhari, sa aqida, son fiqh, son usul al-fiqh, tous les avis de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qu'il a adopté en tant qu'avis, sont regroupés dans les titres de chaque chapitre. Alors l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, ou bien al-Jami', rahimahullah, celui qui a regroupé le livre, il a fait le titre al-usul الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. Pour accéder à la compréhension des phrases des ulama et des livres, il faut décortiquer les mots. Il faut décortiquer les mots et les prendre mot par mot. Et après, lorsque la vision sera simple et facile, on pourra, en les regroupant en tant que phrase ou bien en tant que titre entier, on pourra sortir d'un résumé
qui nous a déjà été accessible. Qala Sheikh al-Usulu al-Thalata. Déjà, al-Usul, c'est le pluriel de Asl. C'est al-Usul, c'est un pluriel. Et son singulier, c'est al-Asl. Al-Asl, c'est les fondements. C'est les fondements. Al-Asl, c'est le fondement. Al-Usulu al-Thalata. On sort de là déjà qu'il y a trois fondements. L'imam, il parle de trois fondements. Et le fondement, chez les savants, c'est la chose sur laquelle on peut bâtir. La chose sur laquelle on peut bâtir. Ou bien les choses qui en découlent d'une autre chose, leur origine, c'est un asl. Leur origine, c'est un fondement. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une parabole ou bien un exemple pour que les gens comprennent, une parabole sur la. Il a donné un exemple sur la bonne parole comme si c'était un arbre. Un arbre, ses racines qui sont bien attachées sur le sol et les fruits de cette bonne parole s'élèvent dans le ciel. Plus ils sont enracinés, plus ils tiennent bon, ils peuvent se lancer encore plus haut. Et il est de même pour la religion du croyant, du mu'min. Sa religion, plus il donne de l'importance au fondement, au sol, sa religion pourra donner des fruits bien lointains. Même que lui, il mourra, mais sa religion à lui et les effets de sa religion à lui donneront toujours des fruits sur ses enfants, sur ses épouses, sur ses parentés, sur les frères qu'il a côtoyés, sur les gens, sur l'humanité tout entière, comme il a été pour le cas de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple parfait de celui qui a propagé la bonne parole. Tellement elle était enracinée que les fruits ils se donnent jusqu'à nos jours. Bi'idhnillahi azza wa jal. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a propager la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vu la série, vu l'ikhlas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exerçait, c'est la perfection dans l'ikhlas, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, on peut déduire cela par les fruits de la religion que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu propager. Jusqu'à nos jours, jour après jour, l'islam devient de plus en plus jeune, et devient de plus en plus brillant, et de plus en plus recouvre la terre tout entière, bi'idhnillahi azza wa jal, malgré toutes les initiatives des ennemis d'Allah pour contrer la da'wa de la vérité, pour contrer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour anéantir la lueur de l'islam, la lumière de l'islam. Mais étant donné que les fondements et le ikhlas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, le prophète de l'islam, la sincérité a été à la perfection jusqu'à nos jours, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wah, elle donne des fruits, bifadlillahi wa karameh. On voit un autre exemple. Un frère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est Ibrahim alayhi salam. On voit très bien que lorsque Ibrahim alayhi salam, et tout le monde sur l'histoire, ne serait-ce qu'en général, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est arrivé à la place où il devait y avoir le Bayt al-Haram, Mecca, il était arrivé dans une terre vide, désertique, il n'y avait aucun signe de vie. Même l'eau, il n'y en avait pas. Et on se rappelle très bien l'histoire de Hajar avec son fils Ismaïl alayhi salam. Arrivé à cette place-là,
Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ordonné de faire l'adhan, de faire l'adhan bil hajj, d'appeler les gens à venir faire le pèlerinage. Ibrahim alayhi salam se posa la question, qui j'appellerai? Et on sait très bien que lorsque certains peut-être entre vous, ils ont vécu cela, lorsqu'on est dans une place désertique, il n'y a pas de bâtisse, il n'y a ni bâtiment, il n'y a rien du tout, ni mur, ni rien du tout. Lorsqu'on parle, on a du mal à s'entendre nous-mêmes, du fait qu'il n'y a même pas d'écho. Mais Ibrahim alayhi salam, il a reçu cet ordre d'appeler les gens au pèlerinage. Mais la religion, il faut se rappeler toujours qu'elle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fera propager sa religion sur la main de qui il veut. Comme Ibrahim alayhi salam, il allait faire l'adhan, après il a dit, Ya Allah, je fais l'adhan, mais pour qui? C'est qui va m'entendre dans cette place? Allah lui a révélé, toi, il t'appartient de faire l'adhan, et c'est à nous de propager la parole. Et c'est à nous de faire parvenir ton adhan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité cela dans le Coran, où il a dit subhanahu wa ta'ala, wa adhin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi ala ma wa yadhkuru ismallahi ala ma al-aya على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإبراهيم عليه السلام il a fait l'appel, le adhan, et la voix, elle parvient jusqu'à nos jours dans le cœur de chaque croyant. Chaque croyant, son cœur, il est attaché à ce pays-là, à cette place-là, qui est Mecca. Qui est Mecca. Surtout la personne, lorsqu'elle part là-bas, son cœur, ça y est, il est attaché. Il est attaché à cette place-là. Il y en a même ceux qui ne peuvent pas passer une année sans faire une visite. وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. De là, on se rend compte de l'importance de l'usul. Et ça, on ne va pas dire par rapport aux exemples que j'ai donnés que ceci appartient au prophète seulement. Non, pas du tout. Étant donné que la nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la nation de l'islam, Ummatul Islam, Allah il exerce sur les cœurs de ceux qui suivent les prophètes et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par leur sincérité, il leur accorde les mêmes effets. Il leur accorde les mêmes effets. Et on se rappelle très bien ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son sharh, l'explication qu'il a fait à l'aqid al-wasitiyya de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, où il a cité al-karamat, karamat al-awliya, les choses, les faits qui sortent du naturel, qui sortent du naturel, tel que ce qui s'est passé pour l'Ala ibn al-Hadrami. L'Ala ibn al-Hadrami, lorsque ils étaient en pleine conquête, lui et ses compagnons, et ils se sont rencontrés, il y avait la route barrée, il y avait de la mer, et ils ne pouvaient pas continuer le chemin sur les chevaux. Mais l'Ala ibn al-Hadrami, il a fait un dua, puis il a ordonné son armée de le suivre. Et il a entamé la mer avec les chevaux. Et les chevaux, ils marchaient sur l'eau. Les chevaux marchaient sur l'eau jusqu'à ce qu'ils ont traversé toute la marée. Jusqu'à ce qu'ils ont traversé toute cette mer-là. Et ceci, comme l'explique l'ulama, à ce que je me rappelle, Cheikh Ibn Uthaymin,
Il explique cela que ça, c'est une karama et c'est une mu'jiza lil Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même si elle s'est réalisée à un de sa communauté. Parce que ce qui s'est passé comme cet acte-là, pour les autres prophètes, la bénédiction d'Allah azzawajal à la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'aura fait réaliser. Il leur a fait réaliser, et il a réalisé sur leurs mains, et à eux-mêmes, à des membres de cette communauté, il leur a réalisé ce qui s'est réalisé à des prophètes et à des messagers comme acte, si on ose dire, surnaturel. Comme marcher sur l'eau, comme il s'est passé pour Isa alayhi salam. Il a été rapporté qu'il marchait sur l'eau et qu'il marchait dans l'air. Et comme Ibrahim qui a été jeté au feu et il n'a pas brûlé, ceci s'est déroulé à un tabi'i que Omar radiallahu anhu il a rencontré lorsque ce tabi'i il a été éprouvé par un ennemi de l'islam pour revenir sur la religion, pour écouter et pour suivre ce tyran-là parce qu'il appelait les gens à suivre sa prophétie, et c'est un des prophètes menteurs que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait annoncé leur venue. Mais ce tabi'i-là, il n'avait pas écouté cette personne-là, il l'avait pas écouté, et il faisait semblant comme quoi il avait une mauvaise audition, comme quoi il n'arrive pas à écouter. Il lui dit, est-ce que tu crois en moi que je suis le prophète? Il lui dit, comment je comprends pas, j'entends pas. Et il le redisait une deuxième fois. Après, lorsque le tyran s'est rendu compte comme quoi ce tabi'i se payait sa tête, alors à ce moment-là, il l'a encagé, il l'a mis dans une cage en fer et il l'a fait rentrer dans un grand feu qu'il a ordonné d'allumer. Et en rentrant dans ce feu-là, ce tabi'i, il est resté assis, ni il a brûlé, rien du tout. À ce moment-là, un des conseillers du tyran, il lui a dit, mieux vaut que tu le sors et que tu le lâches parce qu'il va ruiner tout ton projet. Après, il a sorti. Et il est rentré chez lui et en marchant, Omar radiallahu anhu, il l'avait rencontré et lui avait demandé, comment tu t'appelles? Lorsqu'il lui a cité son nom, il lui a dit, je remercie Allah d'avoir rencontré quelqu'un de cette communauté qui Allah il a fait de lui pareil que ce qu'il a fait avec Ibrahim alayhi salam, ainsi que d'autres actes qui ne m'appartient pas de les citer tous, ils ne sont pas à ma portée. Les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils croient en cela, mais Al-Karama, ça s'appelle Al-Karamat, Karamatu Al-Awliya, cette Karama, ce n'est pas une mu'jiza. Al-mu'jiza, c'est pour les prophètes et les messagers. Et le karama, c'est pour ceux qui suivent les prophètes et les messagers. C'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul connaît pourquoi il réalise cela. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit une parole célèbre qui éclaircit quelques idées dans ce sujet-là, qui est que il disait Shafi'i rahimahullah, إذا رأيتم من يمشي على الماء أو يطير في السماء فلا تصدقوه حتى تنظروه في الحلال والحرام. Shafi'i rahimahullah, il dit, si vous voyez un homme marcher sur l'eau ou bien marcher dans l'air, ne le croyez pas que lorsque vous allez le voir et son comportement vis-à-vis du licite et de l'illicite. C'est quoi son comportement? Parce que de nos jours, bien sûr, on voit des gens et des spécimens qui prétendent que les diables, ils ont peur d'eux. Alors il va dans un ruqya, il dit au diable, sors de là. Et après, cette femme ou bien cet homme, le malade, le patient, il ne ressent plus rien, et il dit, Alhamdoulilah, je ne sens plus. Mais en vérité, cet homme-là, lorsqu'on voit, il est tout rasé, il est sans camis,
il est musbil thiyaba, ainsi de suite. Salat, il n'assiste pas. Peut-être il maîtrise à peine les heures de salawat. Dans ce cas-là, cette personne-là, on ne devra pas la suivre. On ne devra pas la suivre, même si elle réalisera des choses comme cela. Parce qu'on se rappelle très bien ce que nous a rapporté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a mis en garde contre le Messie, Ad-Dajjal. Il fera bien pire que cela. Et pourtant, c'est un des plus grands ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui est une des plus grandes épreuves qu'attendent les croyants. De là, il est important de se cramponner et de travailler beaucoup ses usul et ses fondements, les fondements de la religion. Et à leur tête, bien sûr, al-tawhid. Al-tawhid, al-usul al-thalatha, qu'on avait cité pourquoi c'est thalatha, vu le hadith de Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, qu'on avait cité auparavant. Les trois questions qui seront posées aux croyants dans la tombe. De là l'importance de connaître ces ces usul al-thalath. Alors on a dit l'usul c'est tout ce qui tout ce sur lequel on peut bâtir des choses. Personne ne peut faire une bâtisse, une maison, un bâtiment sans faire de fondement. C'est sûr qu'il s'écroulera très rapidement. الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم on avait parlé sur le wujub comme quoi ça dépasse le wujub qui est l'obligatoire mais ça ressemble plus au wujub qui est un pilier parce que on ne peut considérer notre religion si on n'a pas acquis un des trois fondements que l'imam il a cité dans ce livre-là. التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها على كل مسلم ومسلمة مسلم ومسلمة الإمام رحمه الله peut-être il avait une anecdote en citant muslima en rajoutant cela sur le muslim sinon le muslim il aurait été suffisant il aurait été suffisant parce que tout muslim Lorsqu'on parle à tout musulman, ça inclut bien sûr toute musulmane. Et le hadith qui est connu dans cela, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Mais on avait bien éclairci la dernière fois comme quoi c'est un hadith qui est faible, qui n'est pas authentique. Qui est faible et qui n'est pas authentique vu le jugement de l'imam Ahmad rahimahullah, Ahmad ibn Hanbal ou l'imam العقيلي في الضعفاء الكبير والإمام ابن عامر في الضعفاء الإمام الذهبي رحمه الله ils ont considéré ce hadith là comme hadith faible même si certains imams certains de ceux qui ont des œuvres dans le hadith dans notre époque et tout ils l'ont considéré bon mais le plus authentique c'est qu'il n'est pas c'est qu'il est un hadith faible vu le jugement de ces imams là قال الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها صفيان دو العلم صفيان دو العلم العلم ce n'est pas une chose qu'on lit comme ça dans un livre et ça y est c'est une information que ça c'est une culture mais العلم dans le din c'est contraire à la culture Plutôt, c'est autre chose que la culture. La personne, elle peut connaître, par exemple, des imams avec leur nom, de quel siècle ils sont et tout, mais ça reste une culture, ça reste des informations, ça reste une personne illustrée sur beaucoup de recoins dans la culture islamique. Mais ça ne fait pas de lui un alim. Parce que l'ilm, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Innama l'ilmu bit-ta'allum » ou bien il a été rapporté selon un sahabi. موقوف إنما العلم بالتعلم c'est-à-dire en faisant l'effort d'apprendre en faisant l'effort d'apprendre et d'apprendre les choses la chose d'apprendre la chose qu'on veut apprendre de l'apprendre comme il se doit avec ses preuves et avoir une connaissance de toutes
de tous les coins de ce sujet-là, avoir une connaissance. فالعلم هو معرفة الشيء أو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. Comme ils l'ont défini, العلماء, ils ont défini العلم comme quoi c'est la connaissance et c'est la maîtrise. C'est la maîtrise de la chose, maîtrise de la connaissance de la chose comme elle est en vérité. Parce que connaître la chose sous sa mauvaise forme, ça c'est l'ignorance. On la connaît. On connaît une chose, mais pas dans sa vraie forme. Ça c'est l'ignorance et c'est ce que les savants ils appellent al-jahlu al-murakkab. Al-jahlu al-basit, c'est quelqu'un qui dit que le jahl, l'ignorance simple, al-jahl al-basit, c'est la personne qui, tu lui poses une question sur quelque chose, il dit je ne sais pas, je ne connais pas. Ça c'est un jahl basit, une ignorance simple. Une ignorance fondée, ou bien mal fondée plus exactement, c'est al-jahl al-murakkab. Al-jahl al-murakkab, c'est une ignorance composée. Composée de plusieurs informations, mais qui ne sont pas exactes. Telle qu'une personne, tu vas lui dire, est-ce que la zakat, ça se fait seulement dans le hajj? Il va dire, oui, bien sûr, c'est exact. C'est comme ça que les imams, ils rapportent. Celui-là, il a donné un jugement, il ne s'est pas abstenu de ne pas répondre, mais il a donné un jugement qui ressemble à une vérité pour quelqu'un d'ignorant. Mais la vérité, elle est complètement contraire à la réponse de cette personne-là. De là, on appelle ça al-jahl al-murakkab, et c'est le plus dangereux. Le plus dangereux. Al-jahl al-murakkab. والتي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها العلم. La personne a acquis la science. Elle a acquis la science et on ne va pas apprendre beaucoup de choses sur l'importance de la science. Tout le monde connaît l'importance de la science. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dit, est-ce qu'il y a une équivalence entre ceux qui connaissent, ceux qui ont acquis une science et ceux qui ne l'ont pas acquis? Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas à comparer entre les deux. Ils sont loin. Chacun il est loin de l'autre. Fa'al-ilm, comme il a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, en définissant Al-alim, parce que c'est une grande ambiguïté pour beaucoup d'entre nous, on ne connaît c'est qui al-alim, c'est qui le alim. On ne sait pas définir. Mais Cheikh l'Islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a donné une définition que j'ai trouvée dans Majmou' al-Fatawa, où il a dit Kullu man khashiya Allah fahuwa alim. Tous ceux qui craignent Allah, celui qui craint Allah, c'est un savant. Celui qui a craint Allah, c'est un savant. Et Ibn Abi Shayba, rahimahullah, dans son Musannaf, il a rapporté selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, où il a dit lui-même, « Kafa bi khashyatillahi ilman, wa kafa bil igtirari billahi jahlan. » C'est suffisant, la crainte d'Allah, elle est suffisante comme preuve de science. Et l'ignorance ou bien beaucoup d'espoir vis-à-vis d'Allah, sont comme preuve d'ignorance. C'est suffisant comme preuve d'ignorance. Et les ulama, ils disent, « قال العلماء, كل من خشيه, يعني كل من خشي الله, فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه فهو عالم. كل من خشي الله فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه فهو عالم. Et ça va avec la définition de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله. Les savants ils ont dit tous ceux qui craignent Allah en appliquant tous les ordres et tous les consignes qu'Allah Azza wa Jalla a cités,
et en s'interdisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit, celui-là c'est un alim. Celui-là c'est un alim. Même si la personne n'est pas connue avoir apporté beaucoup de science, ou bien avoir fait beaucoup de fatawa, ou bien avoir fait beaucoup de conférences, ou bien de doros, ou bien de cassettes, ou bien de livres. Malheureusement, beaucoup de gens et tout, ils cataloguent la personne comme quoi elle est un alim, c'est par les écrits qu'il a fait. Mais ces gens-là, ils doivent revenir à la raison. On leur demandera, et qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit comme. Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé comme livre? Qu'est-ce que Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, il a laissé comme livre? Qu'est-ce que Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il a laissé comme livre? Ils n'ont pas laissé, même que Abu Huraira, radiyallahu anhu, il ne savait écrire. Il ne savait pas écrire. Et Ibn Umar, radiyallahu anhuma, il savait écrire. Ce qui l'a fait rapprocher dans les rapports de hadith, dans le nombre de rapports de hadith, ce qui a fait rapprocher Ibn Omar de Abi Huraira, c'est que Ibn Omar, il écrivait, mais Abu Huraira, il n'écrivait pas. Fa kul man khashi Allah fa ata'ahu bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi fa huwa 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala, avant tout cela, il a dit dans le Coran, Amman huwa qanitun ana al-layli, sajidan wa qa'ima, yahdaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité que ceux qui craignaient Allah et ils passent leur nuit en faisant la prière, et en ayant peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, le jour du Yawm al-Qiyamah, et ils espèrent rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre son paradis. Après cela, juste après cela, après cette description de ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce qu'ils sont semblables ceux qui savent, ceux qui sont dotés de science et que ceux qui ne le sont pas. Hein? Ceux qui sont dotés de science et ceux qui ne le sont pas, ils ne se rappellent que les gens dotés de savoir. À ce moment-là, de ce verset-là, on sait, on se rend compte que les savants, comme on a cité Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah après lui, et l'ulama, on avait cité ces trois définitions, ça va dans le même contexte que ce verset-là. Et les ulama, ils ont un honneur noble, ils ont un grand honneur. Où Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, rien n'équivaut à l'encre des savants, l'encre avec laquelle les savants ils écrivent, rien n'équivaut à cette encre-là que le sang des martyrs. Que le sang des martyrs. قال ابن القيم رحمه الله لا يعدل مداد العلماء إلا دماء الشهداء. إلا دماء الشهداء. لا يعدل مداد العلماء إلا دماء الشهداء. Pour revenir à cette parole-là, voir le livre Al-Furusiyya, l'équitation de l'imam Ibn Qayyim Al-Jawziyya رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى دي تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره أفضل من الجهاد وغيره تعلم العلم apprendre la science bien sûr dans cela c'est sûr la sincérité apprendre la science et la faire apprendre c'est mieux que de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son, en envoyant son âme dans le terrain. C'est mieux que le djihad et autre adoration. Khayrun ou afdalu min al jihad wa ghayrihi. L'imam Malik rahimahullah, il dit une parole qui est proche à cela. L'imam Malik et l'imam Abu Hanifa rahimahumallah, ils disent afdalu ma tutawwa bihi
العلم وتعليمه أفضل وعى به العلم وتعليمه. Et dans cette parole-là de l'imam Malik et d'Abu Hanifa, rahimahullah, on comprend le contexte de la parole de l'imam Ahmad, rahimahullah, c'est qu'il voulait dire par cela, أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه, la meilleure des choses dans laquelle on fait comme acte surérogatoire, en plus des obligations, la meilleure des choses après les obligations, c'est l'ilm, c'est d'apprendre et de faire apprendre. Et de là, on comprend la parole de l'imam Ahmad, تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره, lorsque le jihad, il est surérogatoire, non obligatoire. نعم. فهذا فضل العلم الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. ثم قال الإمام رحمه الله ces أصول الثلاثة ces trois fondements sont وهي قال وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. C'est ça les trois fondements. وهي et ces trois fondements sont معرفة العبد ربه. La connaissance, c'est que le serviteur il connaisse son Seigneur, c'est qui, et sa religion c'est quoi, et son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, il devra le connaître. Ça c'est les trois, fondements. قال معرفة العبد ربه. Ici l'imam rahimahullah il a cité le terme معرفة, la connaissance, mais le terme en arabe il a une autre compréhension, parce que en langue arabe il y a al-ilm et il y a al-ma'rifa. Il y a al-ilm, la connaissance en langue arabe. Elle se divise en deux. Elle se divise en science, qui est l'ilm, et l'ma'rifa, peut-être c'est, on pourra dire que c'est la connaissance. C'est la connaissance. Peut-être c'est la chose la plus proche dans la traduction. On le comprendra lorsqu'on fera une explication. L'ma'rifa, chez les Arabes, l'ma'rifa, c'est une science, mais qui a été devancée par une ignorance. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala il ne s'est pas décrit par arif, mais il s'est décrit par l'ilm et non pas par l'ma'rifa, parce que l'ma'rifa il y a une ignorance avant et après on a acquis une science. À ce moment là cette science là on l'appelle ma'rifa. Et de là, l'imam, rahimahullah, il choisit bien ces termes lorsqu'on lit les livres des savants qui savent comment écrire. On devra comprendre bien comment ils écrivent et qu'est-ce qu'ils veulent dire par cela. وَهِيَ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهِ. Et de là, lorsqu'on comprendra ma'rifa, comme quoi c'était devancé par une ignorance, avant c'était de l'ignorance, là, on comprendra que l'imam, il est en train de nous rappeler une des bontés d'Allah sur nous. Parce que avant on était ignorant, et après, on a acquis cette science, et on a connu notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Rabbana, subhanahu wa ta'ala. قَالَ وَهِيَ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ. الرَّبُّ subhanahu wa ta'ala, Rabbu subhanahu wa ta'ala, on devra le connaître. Il est obligatoire, il est primordial, il est tout niveau de connaissance, tout haut niveau de connaissance, on devra le connaître. Comment on connaît notre Seigneur? On le connaît comment lui-même il s'est décrit à nous, comment lui-même il s'est fait connaître à ses créatures. Lorsqu'il a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a révélé le Coran, dans ce Coran-là, Allah subhanahu wa ta'ala il ne nous a pas laissé perplexes vis-à-vis de lui-même subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala, il sait avant tout que nous, on va se demander comment il est. Comment il est lui-même, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on trouve cela clair chez les mushrikines avant lorsqu'ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, décris-nous ton Seigneur. Décris-nous ton Seigneur. Pourquoi? Parce que la personne qui a besoin de connaître une chose, plus il est attiré par cette chose-là, il demande le maximum de données, le maximum d'informations, le maximum de détails, le maximum qu'on puisse, on va essayer de l'acquérir. Pourquoi cela? Parce qu'on est attiré par cette chose-là. Et nous, on pourra se voir vis-à-vis de notre vie, lorsqu'on est attiré par quelque chose, on essaie de demander tout. Si quelqu'un il va se marier avec une femme, c'est sûr il va demander toutes les informations, comment elle est, où est-ce qu'elle a appris, dans quelle école, est-ce qu'elle faisait du sport ou pas, comment elle s'habille, comment elle est, et ainsi de suite. Pareil, une personne qui veut acheter une maison, où est-ce qu'elle se situe, le climat, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est bien, comment elle est construite, par qui, c'est qui, le matériel, d'où est-ce qu'il est venu, ainsi de suite. Toute personne qui est attirée par une chose, il demande le maximum des informations sur cette chose-là. Mais les croyants, ils sont attirés le plus par quoi? Par la connaissance de celui envers lequel il se dirige 5 fois par jour et il se prosterne. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il va sevrer cette impatience et cette gourmandise de savoir, il va la sevrer yawm al-qiyama en dévoilant le voile qui sépare entre lui et ceux qui l'ont tellement fait dunya, et il se montrera subhanahu wa ta'ala à ses créatures, et malgré tout le paradis, malgré tous les bienfaits, malgré tout le statut qu'ils ont acquis fil jannah fil firdaus il a'la, mais lorsqu'ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala en vérité en lui-même, lorsqu'Allah il va se dévoiler à ses créatures, ils oublieront toute bonté qui se trouve fil jannah li jalalihi subhanahu wa ta'ala wa li 'azimi sultanihi wa li kathrati jamalihi subhanahu wa ta'ala. Fa qala ma'rifatu al-'abd rabbah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala on le connaît? Les savants, ils ont décrit, ils ont rapporté ce qu'il y a dans le Coran, et ils ont rapporté, comme on a dit la dernière fois dans notre cours, que le tawhid, il est divisé en 3 catégories. Il y a 3 sortes de textes qui décrivent Allah subhanahu wa ta'ala dans tout le Coran et dans toute la sunna authentique. Ces 3 catégories, c'est beaucoup de textes qu'en recensant tous ces textes-là, ils ont vu que ça tourne autour de 3 sujets. Le premier sujet, c'est la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi, c'est lui Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui nous a tous créés. C'est lui qui a créé toute créature. C'est lui que, si ce n'est lui, aucune créature n'a existé. C'est par sa bonté qu'on vit. C'est par sa bonté qu'on vit. Il nous nourrit. Il nous donne la vie. Et il nous donne la mort. Et il nous ressuscitera yawm al-qiyama. Hada af'alu
Ar-Rabbi subhanahu wa ta'ala envers nous, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, ça s'appelle la seigneurie. Les ulama, ils appellent ça la seigneurie. Ar-Rububiyya. Ar-Rububiyya. Les actes d'Allah vis-à-vis de nous, vis-à-vis des créatures. Les actes d'Allah vis-à-vis des créatures, c'est la seigneurie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت من الحي أو من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون أفلا تتقون. Dans ce verset-là ainsi que dans d'autres versets, ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Al-Mushrikin, ça c'est les païens, Al-Mushrikoun, avant, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et avant que vienne le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mushrikoun, ils croyaient à cette catégorie d'unicité, à cette catégorie d'unicité qui est la seigneurie. Ils reconnaissaient Allah le créateur de tout. Ils reconnaissaient que c'est Allah le créateur de tout, que c'est Allah qui subvient aux besoins des créatures, que c'est Allah qui fait mourir et que c'est Allah qui donne la vie. Hein? Que c'est Allah qui donne la vie. Mais cette catégorie de tawhid, cette catégorie de tawhid n'a pas permis à ces païens d'être considérés muslimines et d'être considérés croyants. Ça ne leur a pas permis d'accéder au rang des croyants. Parce que ce n'est pas ça le conflit des prophètes avec leur peuple. Le conflit des prophètes avec leur peuple, c'est dans la divinité. C'est nos actes. On avait dit que la seigneurie, c'est les actes d'Allah envers nous, c'est-à-dire les bienfaits d'Allah envers nous. Mais la divinité, c'est nos actes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nos actes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'minun, les croyants, ils dirigent leurs actes d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Et ils ne font pas d'actes d'adoration vis-à-vis de quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les païens, ceux qui ont reconnu qu'Allah c'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le Créateur et tout, dans ce domaine-là, qui est la divinité, qui est l'adoration, leurs actes envers Allah, ils ne les ont pas attribués. Certes, ils les ont attribués à Allah, mais ils ont associé à Allah autres divinités, telles que les statues, les idoles, telles que les djinns, tels que le soleil, tels que la lune, tels que le feu, et ainsi d'autres, ainsi plusieurs autres divinités, ou l'iyadu billah, prétendues, les divinités prétendues, adorées en dehors d'Allah, injustement. Mais, al-mu'minun, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appris comment on l'adore, comme Allah subhanahu wa ta'ala est cité dans surat al-Fatiha, « Iyaka na'budu » وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. L'ibada et l'isti'ana. On demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala et on dédie nos ibadat, nos adorations à Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Il ne nous appartient pas d'attribuer une adoration quelconque, même minime, même symbolique, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui attribue une adoration, ne serait-ce qu'une seule, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela, il n'est plus considéré musulman. Il n'est plus considéré musulman. Même s'il fait salat, même s'il fait zakat, même s'il fait saum, même s'il fait le hajj, même s'il récite le Coran, même s'il fait qiyam al-layl, mais après cela, s'il fait soujoud à une tombe,
comme certains d'entre nous, ils l'ont déjà vu, celui qui se prosterne à une tombe, ou bien qui s'incline à une tombe, ou bien implore celui qui se trouve dans la tombe, celui-là, ce n'est plus considéré un musulman. Il a aboli son islam, il a détruit son islam, il a anéanti son islam en commettant une adoration qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a attribuée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ça c'est du shirk akbar, ça c'est de un associationnisme majeur. Un associationnisme, une mécréance majeure. On ne peut dire que cette personne-là, peut-être qu'elle est ignorante. Parce que les ulama, ils sont unanimes. Les ulama, ils sont unanimes sur le fait que la personne, si elle attribue, ou bien elle se prosterne, ou bien elle implore celui qui se trouve dans une tombe, si elle fait un acte tel que celui-là, considérée musulmane, même si elle est ignorante. Même si elle est ignorante. Certes, peut-être qu'elle sera ignorante, mais elle sera toujours considérée mushrika, une personne mushrika, une personne qui est tombée dans l'associationnisme. À ce moment-là, ce n'est plus considéré un musulman. Ça, c'est la parole de nos ulama, tels que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, tels que Cheikh Ibn Uthaymin, tel que Cheikh Abdel Mohsen El-Abbad, tel que Cheikh Saleh El-Fawzan, ainsi que ça, c'est les ulama contemporains. Sinon, les ulama d'avant et les prédécesseurs sont unanimes sur ce jugement-là, et les fatwas de nos grands ulama sont, on peut les trouver sur le net, ou bien dans des sites tels que le site de Cheikh Saleh El-Fawzan, que j'invite beaucoup de frères et de sœurs à revenir au site de Cheikh Saleh El-Fawzan, parce qu'il y a une grande rubrique de fatwa audio, même des audios, on peut les trouver, et c'est très important qu'en fatwa ils sont clairs. El-Fawzan, il n'a pas beaucoup à dire dans ses fatwas tellement il est clair. Il argumente. Il parle clairement, il articule bien pour ceux qui ne maîtrisent pas les dialectes et tout. Il articule assez bien. On peut visiter ce site-là et remplir une bonne dose de fatwa de Cheikh Al-Fawzan ainsi que d'autres savants tels que Cheikh Abdel Karim Al-Khdayr, tels que Cheikh Abdelrahman Al-Barrak, tels que Cheikh le Grand Mufti Abdelaziz Al-Sheikh, tel que Cheikh Saleh Al-Sheikh, le ministre des Affaires religieuses. Enfin, on a vu déjà la première catégorie de tawhid, qui est tawhid al-Rububiyya, qui sont les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de nous. Et on a vu la deuxième catégorie de tawhid, qui est tawhid al-Uluhiyya, c'est nos actes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai cité le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il dit fa'budhu wa tawakkal alayh. Fa'budhu, yani fa'budillah, fa'budhu wa tawakkal alayh. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa hu. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله سبحانه وتعالى يدي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Tout ça, c'est les actes des serviteurs envers Allah سبحانه وتعالى. Et Allah, il a dit إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمر ألا تعبدوا. De là, de ce verset-là, إن الحكم إلا لله Amara Allah ta'budu illa iyyah. De là, on a appris et on comprendra la position des savants vis-à-vis d'aller aux tribunaux et d'assister à des jugements aux tribunaux qui ne gèrent pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est interdit de faire cela. Fa'budhu
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا. العلماء ils ont dit أمر ألا تعبدوا. Ça c'est un signe comme quoi الحكم c'est une عبادة. Comme quoi الحكم c'est une عبادة et il n'appartient qu'à Allah سبحانه وتعالى. Allah سبحانه وتعالى il a dit يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Et Allah سبحانه وتعالى il a dit en rapportant la parole de Hud alayhi salam, le prophète, il a dit Abudullah, le peuple il leur a dit Abudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Et Saleh, le prophète, il disait aussi Abudullah ma lakum min ilahin ghayruh dans sourate Hud. Et dans sourate Al-A'raf aussi, il a dit selon Shu'aib alayhi salam, le prophète, Abudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Ce tawhid là, c'est la da'wa des prophètes et la da'wa des anbiya. C'est la da'wa des prophètes et la da'wa des anbiya. Les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, ça c'est la seigneurie. Et nos actes envers Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la divinité. On devra les attribuer, on ne devra les attribuer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Seul et unique. La nabi, ni un prophète, on devra lui attribuer une adoration, ni un prophète, ni un ange, encore moins ceux qui ne sont pas de ce niveau-là. Encore moins de ceux qui ne sont pas de ce niveau-là. La troisième catégorie de tawhid, c'est tawhid al-asma wa sifat. Tawhid al-asma wa sifat. Tawhid al-asma wa sifat, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Les noms et les attributs divins, on devra les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se les a attribués lui-même. Comme il se les a attribués lui-même. Personne ne connaît Allah subhanahu wa ta'ala comme il se connaît lui-même. Personne ne connaît Allah subhanahu wa ta'ala comme lui-même il s'est connu et comme lui-même il s'est décrit. C'est pour cela, les gens de la sunna wal jama'a, ils ne rajoutent pas sur cela, et ils disent, on devra décrire Allah comme il s'est décrit lui-même, ou bien comme il l'a décrit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que rapporter ce qu'Allah il lui a appris, ce qu'Allah il lui a appris. Si Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset ou bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, ils ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala par une description, on décrira Allah subhanahu wa ta'ala par cette description sans rentrer dans une philosophie telle que les autres sectes telles que le Mu'tazila ou bien telle que l'Al-Jahmiya ou bien tel que le Kullabiyya, ou bien tel que l'Asha'ira, et bien d'autres sectes. Ces quatre sectes-là que j'ai citées, et bien d'autres, ils ont falsifié, et ils se sont trompés dans l'explication des noms et des attributs divins. Chacun, il ne s'est pas contenté de ce qu'il y a dans le Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste un exemple, comme Allah subhanahu wa ta'ala, l'Asha'ira, par exemple, les Asha'ira, qui leur madhab, dans l'origine, il est attribué à Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah wa ghafara lahu. Abu al-Hasan al-Ash'ari, il a vécu des périodes de troubles dans sa aqida du fait qu'il était un adepte du mari de sa mère, de son beau-père Abu Ali al-Jubba'i. Abu Ali al-Jubba'i, c'était un des maîtres de la doctrine mu'tazilite. Al-Mu'tazila, c'est une de leurs grosses têtes, c'est Abu Ali al-Jubba'i qui était le beau-père de Abu al-Hasan al-Ash'ari. À la première période, Abu al-Hasan al-Ash'ari, il était mu'tazili. Puis avec le temps, lorsqu'il s'est vu assez capable pour comprendre la religion lui-même,
il s'est isolé tout seul avec beaucoup de livres avec lui. Puis il est sorti sur les gens, il est monté sur le minbar et il a enlevé son khamis. Et il leur a dit, je sors du madhhab de Mu'tazila comme je sors de mon khamis. Puis il a enlevé son khamis. De là, certains savants ils disent que Abul Hassan al-Ash'ari, il a fait tawbah. Oui, il a fait tawbah, certes, de Mu'tazila. Mais vers quoi? Mais vers quoi? Ça, c'est l'énigme qui n'a jamais été résolu, qui n'a jamais été résolu. Abul Hassan al-Ash'ari, il a écrit certains livres tels que Al-Ibana, tels que son livre Al-Ibana, ou bien son livre Risalatun ila Ahl al-Thaqf, ou bien Maqalat al-Islamiyin, où il prétend dans ces livres-là comme quoi il a fait Tawbah et comme quoi il suit Al-Imam al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Mais en vérité, les savants, ils ont suivi cet imam-là et sa nouvelle aqida. Dans les petits textes tels que l'Ibana et tout, c'est des moutounes. C'est des moutounes. Et les moutounes, c'est des petits textes qui sont à apprendre par cœur. Vous savez très bien que c'est des textes qui sont un petit peu complexes et qui renferment beaucoup de sens. Dans la globalité, Abul Hassan, il montrait comme quoi, dans la globalité des termes, les termes compacts, il faisait montrer comme quoi il suivait Ahl Sunna wal Jama'a. C'est de là que beaucoup de Ahl Sunna wal Jama'a, ils ont été déroutés et ils ont suivi Abul Hassan al-Ash'ari, ce qui a fait de son école l'école la plus étendue de parmi tous ceux qui sont dotés de savoir et toutes les universités qui apprennent la charia dans le monde musulman, excepté à Saoudia. Dans le monde musulman, toutes les universités, ils apprennent autre que Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, ils apprennent l'Ash'ariya. Comment les gens ils ont été déroutés par Abul Hassan al-Ash'ari? C'est par cette manière-là. Abul Hassan, il écrivait des textes compacts où il faisait montrer comme quoi il appartenait à l'imam Ahmed ibn Hanbal. De là, beaucoup ont glissé dans cela. Mais lorsqu'il a écrit des livres où il détaille plus, où il fait des explications telles que dans son livre Risalatun ila Ahl al-Thaqr, il s'est dévoilé pour Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Il a été dévoilé comme quoi il a fait un nouveau madhhab qui était le sien. Al-Ash'ariyya, elle venait de naître. Al-Ash'ariyya, elle venait de naître. Et après cela, après la mort d'Abul Hassan al-Ash'ari, ils attribuaient à Allah certaines sifat à la manière de Ahl Sunnah ou Al-Jama'a, telles que Al-Hayat, la vie. Ils attribuaient à Allah la vie. La Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu. De là, de ce verset-là, ce passage-là, ce mot-là, les ulama, ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala la description de l'hayat, la vie. Mais l'Asha'ira, ils n'acceptent pas d'autres tels que, par exemple, tels que la main. Ils n'attribuent pas la main à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il se l'est attribué lui-même. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم. Dans ce verset-là, Allah il s'est attribué la main. Il s'est attribué la main. Alors nous, il ne nous appartient qu'à attribuer à Allah ce qui s'est attribué lui-même. Et les gens de l'Bid'a, ils disent non, on n'attribue pas à Allah la main. Pourquoi? Parce que la main, c'est parce qu'on a besoin. Et si on dit qu'on attribue à Allah la main, cela veut dire, on a voulu dire par cela, qu'Allah, il en a besoin. Et ça, c'est une philosophie complètement déroutée, complètement lointaine de toute vérité. Pourquoi cela? Ahl sunnah wal jama'a, ils leur disent, quelle est la différence entre le fait d'avoir attribué à Allah al-hayat, alors que nous, il nous appartient al-hayat aussi. Al-hayat, on a vraiment besoin. Mais vous, vous attribuez à Allah al-hayat. Pourquoi vous n'avez pas fait la même analyse?
Pourquoi vous n'avez pas fait la même analyse en disant non, on n'attribue pas à Al-Hayat parce que nous, on s'attribue à nous-mêmes Al-Hayat par besoin de vie. On a besoin de la vie. Si ce n'est pas la vie, c'est la mort. C'est rien, c'est le rien du tout. Mais ils leur disent, comment ça se fait, vous avez attribué à Allah, comment ça se fait, vous avez attribué à Allah Al-Hayat et vous n'acceptez pas à attribuer à Allah la main et vous n'acceptez pas à attribuer à Allah As-Saq, la jambe, comme Allah subhanahu wa ta'ala il s'est décrit Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il décrit qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra yawm al-qiyamah et il mettra des gens. Et chaque fois qu'il met un groupe de gens dans l'enfer, l'enfer il ne cesse de réclamer encore plus. Hal min mazid. J'en veux encore plus. Et Allah il met encore des gens dans l'enfer. Et il en met encore des gens dans l'enfer. Et elle a toujours faim. L'enfer, il a toujours faim. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il mettra son pied dans l'enfer et l'enfer, il dira suffisant, suffisant. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra son pied sur l'enfer, elle se pliera sur elle-même. Elle se pliera sur elle-même. Dans ce hadith-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala la jambe, mais tous ses noms et ses attributs, tous les attributs plus exactement, on ne devra pas les comprendre comme ils sont pour les créatures. On ne devra pas les comprendre tels qu'ils le sont pour les créatures. Et pour cela, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il donne un exemple. Il donne un exemple pour rapprocher une petite analyse comme quoi on est dérouté dans nos cerveaux lorsqu'on écoute les attributs. Il donne un exemple, Cheikh Ibn Uthaymeen, et il dit, toi, une simple créature avec une autre créature, tu ne vas pas accepter que c'est la même chose. Quoi penser entre une créature et le créateur? Il a donné un exemple, toi, mon frère, tu as un visage. Et si on ramène un âne, il a une face lui aussi, comme toi tu as une face. Mais est-ce que cette face-là ressemble à celle-là? Obligatoirement, la personne elle dira, bien sûr que non. Il a dit, subhanallah, ça c'est entre créature et créature, vous n'acceptez pas que ça se ressemble, même si ça se ressemble dans le nom de l'attribut. Même si ça se ressemble dans le nom des attributs, mais la chose en elle-même, elle ne se ressemble pas. Nous, on ne sait pas comment il est Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est décrit à nous, et nous, ce qui nous appartient, c'est de le décrire comme il s'est décrit lui-même, subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit le Cheikh l'imam Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah, dans cela, il a dit l'attribut ou bien la description, la différence entre la description de la créature et la description du créateur, c'est comme la différence entre la créature et le créateur, tout simplement. Tout simplement. Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti, il a une risala qui est très importante pour revenir, pour ceux qui maîtrisent l'arabe, inshallah ta'ala, dans les noms et les attributs divins. Elle est très très petite de format, mais elle est très grande de science. Wallahu ta'ala a'lam. On va se contenter de ce qu'on vient d'écouter et d'entendre. Wallahu subhanahu ta'ala a'lam. Wa sallallahumma wa sallim. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين